1995, Jacques Le Guélec avait auditionné pour l'orchestre de l'AFE. Donc aujourd'hui, il vient de recevoir un mail et on va lui demander de nous lire le mail d'abord et de nous dire comment est-ce qu'il a senti. Alors donc, il avait écrit « Pour cette 6e édition, l'OLFM connaît un grand succès pour son appel à candidature, presque 3 fois plus que l'an dernier. Le processus d'écoute des vidéos et de sélection a donc été plus long. Nous vous remercions pour votre patience. Donc, nous avons le plaisir de vous informer que Le Guélec Jacques Paul a été retenu dans la liste des musiciens pour l'Orchestre des lycées français du monde, OLFM, qui réunira cette année plus de 70 élèves venant du monde entier. Nous vous enverrons prochainement un livret d'accueil avec la programmation détaillée des répétitions et représentations de l'Orchestre philharmonique de Radio France et la participation des choristes du Collège de Marseille. Donc voici les grandes étapes. Ce sera déjà du 3 au 8 février 2020. Il y aura les répétitions de l'orchestre au lycée français de Vienne, sous la direction d'Adriana Tanus, avec le tutorat de 5 musiciens de l'orchestre philharmonique de Radio France et la participation des choristes du Collège de Marcoussis. Ensuite, il y a du 20 au 26 avril 2020, l'OLFM, les tuteurs de Radio France, des chorales de plusieurs pays du monde répéteront à Marcoussis et se produiront le samedi 25 mars à l'auditorium de Radio France à Paris. Nous vous écrirons prochainement pour vous préciser les détails concernant la logistique et les modalités d'accueil que supposent ces deux manifestations. Une nouvelle plateforme en ligne développée par le service communication de l'AEFE permettra aux musiciens d'accéder au programme musical, au planning, aux partitions d'échange avec leurs tuteurs de l'orchestre philharmonique de Radio France. Voilà donc en gros, quand j'ai lu ce mail, j'étais assez surpris, j'étais à la fois surpris et très joyeux d'avoir été accepté, parce que ce sera donc pour moi une grande expérience de découvrir un peu le fonctionnement de l'orchestre, et surtout que je rencontrerai de grands musiciens, sans doute de grands musiciens, ce qui sera pour moi un grand honneur. On te souhaite bonne chance. Merci. Découvrez ce que notre établissement vous a préparé pour la semaine des lycées français du monde. Le LFC en a profité pour souhaiter un joyeux anniversaire à l'AEFE qui fête ses 30 ans. Cette compète, c'est pas ma première compète du monde, c'est la deuxième. La première, c'était en Espagne en 2017. J'ai perdu malheureusement, j'ai fini 5e. Mais voilà, cette année, j'ai ramené 2 médailles, une par équipe et une individuellement. En fait, c'était une des. Non, c'était en fait la plus dure de ma vie, la compète. Et puis voilà, je suis revenu avec 2 médailles. D'ailleurs, je suis le seul au monde qui est revenu avec 2 médailles, une par équipe et une individuelle, bronze et or. Et donc, je crois que tu n'as malheureusement pas pu faire du tourisme au Chili. Oui, bah, normalement, quand on voyage avec l'équipe nationale, on n'a pas vraiment trop le temps de faire du tourisme. C'est juste un jour après la compétition, s'il y en a. Mais pour cette compète, déjà, on est allé vraiment trop tôt. Une semaine avant la compétition pour un peu nous habituer avec les horaires, il y a 5 heures de différence.
Donc, mais voilà, on n'a pas sorti de l'hôtel parce qu'en fait il y avait beaucoup de manifestations. J'ai pas cherché pourquoi honnêtement, mais c'était vraiment violent. Ouais. Donc revenons à la compétition. Donc quel prix avez-vous gagné avec l'équipe égyptienne et tout seul? En fait, il n'y a pas de différence entre avec l'équipe égyptienne et tout seul parce qu'en fait, c'est quand je joue dans une compétition, c'est pas en fait, c'est pas notre sport, c'est un sport individuel, c'est pas un sport par équipe. Donc voilà, si je voyage avec l'équipe nationale, ben, voilà, si je voyage tout seul, ben, c'est moi aussi qui gagne le prix. Mais à la fin de chaque compète, ben, les organisateurs, voilà, ils calculent les médailles, quel est le pays qui a le plus de médailles d'or, puis d'argent, puis de bronze. Et voilà, ils classent les pays. Mais bon, moi, je suis champion d'Afrique deux fois. Champion des Jeux africains une fois, champion méditerranéen, champion non, deuxième place dans la Coupe du Monde en Chypre, puis il y a plusieurs compétitions, mais voilà, champion arabe deux fois et champion du monde, voilà. Et donc, quels sont tes futurs projets? Je n'ai pas encore trop. En fait, normalement, à 80%, il y a une compète au Chili en janvier. Normalement, j'y allais, mais on ne sait pas encore parce que les manifestations là-bas, c'est vraiment violent. Donc voilà, on va voir. Merci.